Musk singé, les salaires des membres du dévoilé, Kef Adams loin devant les autres. Alors que le coup d'envoi de la cinquième saison de Musk singé sera lancé le vendredi 14 avril. Public a révélé dans son numéro de ce vendredi 7 avril les montants des salaires des membres du jury. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Kef Adams explose tous les compteurs. Le compte à rebours est lancé, avant le grand retour de Musk singé, le vendredi 14 avril. Sur TF1, pour cette cinquième saison, la première chaîne a mis les petits plats dans les grands. En proposant aux aficionados du programme de très nombreuses nouveautés, à commencer par celle de cacher deux célébrités sous le même costume. Une première dans l'émission. Il s'agit du costume du chameau qui a demandé aux équipes un travail colossal. Comme l'a confirmé le producteur Antonine Meunier, nous travaillons avec 6 ateliers de couture différents. La confection d'un costume prend entre 300 et 400 heures, mais pour celui du chameau, par exemple, il faut compter près de 1000 pouces, a-t-il expliqué. Comme l'année dernière, 4 jurés seront chargés de découvrir les identités des 18 personnalités qui défileront sur scène. Mais le jury a fait peau neuve, puisque Vita et Chantal Ladezou ont été remplacés par Michel Bernier et Elodie Frégé. Les deux nouvelles enquêtrices rejoignent Jeff Panaclock, déjà présent la saison passée. Et surtout Kef Adams, le seul juré à ne jamais avoir quitté le navire depuis le lancement, en 2019. Dans les pages du nouveau numéro de Public, paru ce vendredi 7 avril, les salaires des membres du jury pour cette cinquième saison. Toujours présentés par l'indétrônable Camille Combal, ont été révélés. C'est Jeff Panaclock qui toucherait le cachet le moins élevé. Avec 85 000 euros. L'humoriste et ventriloque aurait cependant le droit à l'artillerie lourde en termes de promotion de son spectacle. Pendant la diffusion de l'émission, quant aux deux nouvelles enquêtrices, Michel Bernier devrait toucher 100 000 euros et Elodie Frégé 120 000 euros. Selon Public, la gagnante de la troisième saison de la Star Academy aurait, en plus de cette coquette somme, négocier la promotion d'un futur album mais également un rôle dans une nouvelle série de la chaîne. Mais c'est Kef Adams qui aurait tiré le gros lot cette saison, de par notamment son statut de juré le plus ancien de l'émission. L'humoriste de 31 ans devrait toucher pas moins de 380 000 euros. Une très jolie somme qui représente une augmentation conséquente par rapport à la troisième saison. Pour laquelle, comme l'avait révélé Public, il aurait gagné 300 000 euros. Mafia, parassiti, dragonul Maxi Ghespe, Chimie, Rimaru, Spike, Buia, Sișoafo, Grasul, nimeni altul, Del, Vede sau Carpo. Trei să vă mănânc vers cu vers, card intens, trei să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le fierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.